Adieu. Ergunon. Préparez le retour.
Bien Denis, allez.
Thank you.
Oh!
Champion.
truc. Je sais pas comment vous allez faire pour revenir et les gagner. Et ça, il va falloir se souvenir. Toi, Marc, je suis le coup d'envoi, c'est toi qui gagne. C'est toi, le plus petit de l'équipe qui est allé au Côte Testament. Et toi, t'as pas tremblé. T'as pas tremblé. Toi, t'as été monsieur. T'as été monsieur. Les gars, on s'entraîne. On est discipliné. Et on se fait une putain de saison. On soigne nos blessés. Les blessés, là, les gars, il faut les appeler. Arrêtez d'envoyer des conneries, des textos. Appelez les mecs qui sont sur la touche. On se fasse un super groupe. D'accord ? Et ça, dernier coup comme ça. Dernier coup comme ça. On ne peut pas donner des matchs à des équipes comme ça. Nous, on va rien nous donner. En tout cas, on était une cible. Retournez la cible. Bravo. Allez, merci, pour Clermont ! Ouais ! Ouais ! Allez, à moi. Comment vous appelez ? François Pelletra. En quel match ? Match difficile, difficile. On démarre très bien, on mène je sais plus 17 à 6 ou à 9 je crois, avec deux essais, on met du jeu, c'était pas trop mal. On a réussi à les dépasser et tout, et ensuite je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé, on s'est englué dans les fautes, et Saint-Palais est revenu avec ça, des pénalités, des pénales touches, des molles, et voilà, ils nous ont embêtés. Donc on s'en sort tout juste à la fin sur une dernière pénalité, mais ça a été très chaud. Mais la victoire est là, la victoire est belle. La victoire est là, belle je sais pas, mais elle fait plaisir en tout cas. Mais elle est là, voilà, c'est le plus important. Voilà, on ramène 4 points de Saint-Palais, c'est déjà bien pour démarrer la saison. Pour la suite, maintenant, on sait que c'est un peu dur, il y a un peu eu de blessés. Ouais, on a eu deux blessés en première mi-temps, donc on va essayer qu'ils se soignent bien pour qu'ils puissent revenir vite, parce que sinon, ouais, ça va être long toute la saison si on a des blessés à tous les matchs. Donc ouais, ça va être dur, mais on va essayer de s'accrocher. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ah, le meilleur. Il faut nous souhaiter le meilleur et qu'on puisse gagner le plus de matchs possible. Merci beaucoup. Vous pouvez me dire Milesker ou si vous parlez le basque, nous dire quelques mots. Bon, Milesker Hanitz Deneli. Merci, souris. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Bonjour, comment vous appelez ? Bonjour, Christophe Domingo, entraîneur des Avants de Cambo pour, la première année. Quelle est votre réaction après ce match ? Une réaction mitigée parce qu'on fait une grosse première mi-temps où on arrive à scorer et qu'on est sur une bonne dynamique et ça s'écroule en deuxième mi-temps où on fait trop de fautes, on leur donne deux essais et on se démobilise complètement. Voilà, donc bon, c'est un premier match, donc il ne faut pas être non plus trop exigeant et être un petit peu indulgent, mais malgré tout quand même, on finit sur une victoire, c'est ce qui on retiendra la victoire et la capacité à aller chercher quand même la victoire à la fin, même si Saint-Palais est bien revenu, on les a fait revenir, mais ils sont quand même bien revenus, c'est quand même une belle équipe, donc voilà. Félicitations aux deux équipes et bonne saison à tous. Est-ce que vous avez eu peur, cette dernière pénalité de Saint-Palais ? Oui, forcément, parce que ça fait râler de perdre un match comme ça, mais voilà, on a eu chacun sa mi-temps, même si Saint-Palais n'a pas créé beaucoup de choses, mais on reste quand même sur une bonne dynamique. Voilà, il y a des choses à travailler cette semaine, notamment défensivement, où on s'est fait sanctionner beaucoup sur des plaquages à deux. Et bon, voilà, donc il faut qu'on corrige ça pour éviter d'être sanctionné autant, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, comment vous appelez ? Guillaume Narvaïs. Le match est très difficile. Qu'est-ce que vous en pensez ? On fait une première mi-temps, mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû faire. Et voilà, on s'était préparé pour faire mieux. Peut-être un peu de pression ou quoi. On n'est pas rentré dans le match. Et à la mi-temps, on se fait un petit peu remonter les bretelles à juste titre et on rectifie le tir en mettant plus d'engagement et en jouant les ballons à fond. Il y a eu ces pénalités vers la fin, mais ça fait partie du match. Est-ce que vous croyez cette victoire ? Ah non, c'est pas sur la pénalité que ça se joue sur la première mi-temps où on prend trop de points et nous on en laisse trop, on est dans leurs 15 mètres, on ne concrétise pas. Et après, non, les 3 points, c'est juste une chance de gagner, de basculer dans l'autre côté, mais c'est pas la victoire qui se joue sur ça. C'était super de revenir, mener au score. Ouais, ça fait plaisir. C'était un match de rugby malgré qu'il y ait eu pas mal de fautes. Cambo est une belle équipe aussi. Et puis retrouver les supporters, un petit peu de bruit dans les tribunes, ça fait du bien. Et ouais, il manque que la victoire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Mais de garder cette deuxième mi-temps comme référence et de continuer comme ça tous les dimanches avec de l'engagement et jouer au rugby. Merci beaucoup. Merci à vous.